Bonjour, je m'appelle Huguette Bartobensourou. Je suis originaire de Mournalo et je suis aussi présidente de l'association d'aide aux victimes et d'information juridique AVIJ 97.1. Alors, j'ai un parcours atypique. Je suis technicienne du tourisme. Donc, j'ai monté d'abord l'office du tourisme de Mournalo. Ensuite, j'étais candidate aux élections cantonales à Mournalo en 2004. Et par la suite, j'ai été déléguée du procureur en 2005 de Pointe-à-Pitre et ensuite en 2006, à partir de 2006, à Basse-Terre. Donc, j'ai vraiment eu un parcours atypique. Je ne suis pas restée dans le tourisme vraiment que j'affectais particulièrement. J'ai changé de voie pour prendre la voie judiciaire et je suis restée, bien sûr, puisque je suis responsable actuellement du service juridique de proximité de la ville du Lamantin. Et ma fonction de présidente de l'association AVIJ fait que je fonctionne aussi dans les établissements scolaires pour réaliser des médiations scolaires, donc dans les collèges, dans les lycées, etc. Et nous faisons aussi l'aide aux victimes, c'est-à-dire que les personnes qui ont été agressées, qui ont des problèmes, que ce soit avec la justice ou même des repris de justice quelquefois, qui viennent nous voir parce qu'ils ont besoin de s'insérer dans la vie aussi. Et puis nous avons aussi, bien sûr, dans des familles qui ne savent pas comment faire avec leurs enfants, donc ils viennent nous demander de l'aide pour savoir où s'orienter, etc. Et nous avons signé, juste au mois de janvier, une convention avec la gendarmerie de Guadeloupe pour pouvoir assurer justement une mission sociale au niveau des brigades de gendarmerie de Grande-Terre. Alors, ce que je demanderais aux jeunes femmes guadeloupéennes, c'est d'être surtout, je dirais, plus responsables, marquer quand même le fait que les femmes ont été toujours les poteaux mitants en Guadeloupe. Donc, ne pas attendre sur les autres pour qu'elles puissent être quelqu'un et avoir aussi de l'estime d'elles-mêmes.